35e et dernière instruction, Jésus crucifié. Texte d'Écriture sainte, c'est ainsi qu'ils crucifièrent Jésus-Christ, et avec lui les deux larrons, l'un à droite et l'autre à gauche, Jésus au milieu. En Saint Jean, chapitre 19, verset 18. Plan de l'instruction, la suite des événements. Jésus dépouillé de ses vêtements. Jésus, deuxième point, cloué à la croix. Troisième point, triomphe des ennemis de Jésus. Quatrième point, sentiment de Jésus au pluriel. Et cinquième point, les sept paroles de Jésus en croix. Sixième point, sa mort. Et en guise de conclusion de cette instruction et du volume, disons, la mort mystique pour tous. Conclusion pour nous. Jésus dépouillé de ses vêtements. Saint Paul, aux Hébreux, chapitre 13, verset 12, dit, « Jésus, pour nous purifier dans son sang, a consommé son sacrifice hors la porte de la ville. » Parcourons donc le même chemin en portant la croix avec lui. Saint Paul parle au point de vue moral, mais pour la contemplation, essayons de suivre en esprit et avec le cœur jusqu'au calvaire. Heureux ceux qui ont la faveur insigne de parcourir le même chemin réellement, en faisant le chemin de croix à Jérusalem, un vendredi saint. Que Dieu soit béni de me l'avoir accordé en 1938. Nous partons du prétoire où Jésus fut flagellé et nous descendons du palais de Pilate. Et nous suivons les anciennes ruelles du temps de Jésus, apparemment d'une dizaine de pieds de large, à peine, et en différents paliers qui montent et qui descendent à travers les salles bazars où magasinaient le long des ruelles. Une foule de curieux ne regarde pas assez sans doute, comme ils l'ont fait au temps de Jésus. Les uns ricanent, mais la plupart sont sérieux et respectent notre défilé. C'est au croisé de ces ruelles, sans doute, que Jésus rencontre sa Sainte Mère, quoique l'Évangile n'en dise rien. La tradition le rapporte, et comme elle était sûrement au pied de la croix, il n'y a pas de doute qu'elle suivait le cortège avec ses amis. Ses amis, eux. Après s'être mise à quelques coins pour le voir passer. C'est pendant ce trajet que Véronique vient lui essuyer la face, couverte de sueur et de crachats. Jésus la récompensa en laissant sa figure imprimée sur son voile, qui servit de modèle pour les saintes faces répandues dans le monde avant d'avoir le portrait du suaire de tuer. Le calvaire est une petite éminence de 15 à 20 pieds au plus, deux étages, juste en dehors des anciens murs de la ville. Il est, d'après une tradition, enfermé maintenant dans la basilique du Saint-Sépulcre, bâtie d'abord par Sainte-Hélène, puis restaurée plus tard. Quand on dit la messe, on a une idée des cris et des vociférations au temps de Jésus à sa mort. Et il y a là plusieurs groupes qui se font une guerre véritable autour des différentes parties de la basilique que chacun a à son usage. Pendant les offices de l'un, les autres crient leur chant aussi fort que possible afin d'enterrer les autres. Est-ce possible? Ils beuglent littéralement et hurlent comme des fous pour ennuyer les catholiques, représentés par les franciscains. D'abord, on est scandalisé, puis ensuite, on est ému en pensant que c'est une bonne reproduction de ce qu'il y avait au temps de Jésus quand on le conduisit au calvaire. Arrivé au calvaire, les Juifs le dépouillent de tous ses habits. Il va mourir absolument nu comme il est né. Les pères sont unanimes à voir là la pratique du parfait renoncement et détachement que Jésus a prêché. Il est ignominieusement exposé devant cette foule et va subir le plus honteux châtiment du temps. Comme il nous montra une débarrassée des deux amours naturels que nous avons tous, il n'en avait pas besoin pour lui-même, mais il veut nous instruire par son exemple
et nous montre qu'il en coûte pour tuer ces deux amours. Amour pour les créatures et amour pour soi. Mais qu'il faut s'en défaire à tout prix, quelque pénible que ce soit. C'est le travail de l'ascèse, renoncement chrétien. Si le détachement effectif n'est pas obligatoire, qu'on n'oublie pas que le détachement du cœur est absolument requis pour tout le monde, sans aucune exception. Et cela, écoutez bien, sous peine de damnation. Je répète ça par ailleurs. Si le détachement effectif, réel de tout, se dépouiller de tout, n'est pas obligatoire, on n'oublie pas que le détachement du cœur, l'amour des choses, et cela, sous peine de damnation. Tout le chrétien regarde le détachement comme du luxe en perfection et comme une question de conseil. C'est absolument faux, c'est une obligation pour tous d'être détachés. Quiconque ne renonce pas, dit Jésus, à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Cela n'est pas dit des religieux, mais pour tout le monde sans exception. Ses vêtements étaient collés à sa peau ensanglantée et on les lui arrache avec violence et sans pitié pour un condamné à mort. C'est symbolique pour signifier que tout détachement réel coûte à la nature. Ceux qui pensent que c'est facile, il n'a pas commencé encore à le faire. Combien rares sont ceux qui ont la force morale de la faire, de le faire, le détachement. Même quand on est en un convaincu, comme il en coûte. La preuve, c'est dans le fait qu'un grand nombre de religieux qui ont fait vœu de se dépouiller, vœu de pauvreté, et l'ont fait en acte, sont très habiles pour se reprendre par toutes sortes de moyens, comme ils sont attachés à leurs aises. Et au bien commun de la communauté, qui peuvent captiver le cœur aussi bien que les biens privés, si on ne fait pas attention. Comme ils aiment les beaux habits, comme ils en ont beaucoup, et souvent, comme ils jettent à peine usés, comme ils sont particuliers à table, comme il leur faut de la première classe partout, et comme ils critiquent dès qu'ils leur demandent la moindre chose. Tout cela prouve que le vrai détachement du cœur est très difficile à cause de notre manque de foi. Demandons tous à Jésus la grâce de pratiquer réellement le détachement des créatures, au point de les mépriser souverainement, les regarder toutes, vais-je le dire, comme du fumier, afin de donner tout notre cœur à Jésus. Demandons aussi le renoncement à notre personnalité morale, à notre égoïsme et amour propre. C'est encore bien plus difficile de se détacher des créatures, que de se détacher des créatures extérieures, se détacher de notre amour propre, de notre égoïsme. Tout de même, il le faut, avec la grâce de Dieu, supplions Dieu à deux genoux, très souvent, avec toute l'ardeur dont nous sommes capables, de nous accorder le mépris souverain de nous-mêmes, jusqu'à la mort, dont parle Saint Paul. La mort à soi-même, pour ne plus avoir aucun intérêt à défendre. Mais que mort à nous-mêmes, nous ne vivions plus que pour les intérêts de Jésus. Que toutes les humiliations, les mépris de la part des autres, les insultes, les injures, nous laissent parfaitement froid. Puisque nous n'avons plus rien à défendre, que nous sommes tous à Jésus et lui seul vit en nous. Quelle sublime grâce à demander tous les jours de notre vie. Ce sont ces deux amours qui empêchent l'amour de Dieu de venir en nous. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a plus de place pour notre hôtel, dans notre hôtellerie pour Jésus en proportion que nous avons ces deux amours installés au cœur. On voit pourquoi les démons poussent tous les prêtres à attaquer les péchés. Tant qu'ils perdent leur éloquence là, ils ne pensent pas à attaquer nos deux amours naturels et des amours permis en soi. Des beaux voyages, de la télévision, fumer, c'est permis en soi, en soi.
Il n'y a pas de mal à ça, disent nos philosophes. Et l'amour de Dieu ne peut pas entrer avec ces deux amours dans le cœur. Quel dommage que les prêtres ne sachent pas qu'il leur reste tout à faire après qu'ils ont tanné contre le péché. Deuxième point, Jésus est cloué à la croix. C'est tout ce que les évangélistes nous disent de ce terrible tourment. Pas plus que le seul fait de la flagellation ou du couronnement d'épines. C'est que Dieu veut laisser à l'amour, à notre amour, le soin de descendre dans les détails. Lui seul est capable de le faire. En proportion qu'on aime Jésus, on verra facilement tous les détails de cet affreux supplice. Il le couche sur la croix étendue par terre. Puis les bourreaux lui prennent la main droite, la posent sur la poutre transversale et enfoncent un gros clou en haut de la paume d'après le suaire de Turin. Ces clous d'environ 5 pouces de long, carrés, très pointus, avec une grosse tête ronde arrondie. D'après celui qui est encore gardé à l'église de Sainte-Croix à Rome. Voyant le corps frémir et se tordre de douleur, et la figure se crisper d'angoisse, le sang coule abondamment, et Jésus endure ce tourment pour expier nos péchés. Puis ils attrapent le bras gauche et font de même. Puis ils prennent le pied gauche qu'ils posent sur le pied droit, avec un seul clou pour percer les deux, et les fixer au bois. Les tortures augmentent sensiblement. Enfin, ils prennent la croix, la soulèvent et la laissent tomber dans le trou du roc qui lui avait été préparé. Et Jésus commence son agonie de 3 heures, suspendu à la croix. Le secret pour réussir dans ces contemplations, c'est de prendre son temps dans les petits détails. Par exemple, ici, voyons le bourreau qui lève son marteau, qui frappe le clou sur le poignet. Il déchire les chairs et fait jaillir un courant de sang qui coule le long du bois et jusqu'à terre. Tiens, pécheur, c'est pour toi ce sang et ces douleurs. C'est toi qui viens de frapper ce coup pour me clouer à la croix. Tu as ta part dans mes souffrances. Encore un coup et encore un coup de marteau. Ce sont tes péchés répétés qui enfonce ce clou. Pour tes touchés sensuels, la justice divine m'impose ses souffrances. Considère-les bien. Ce n'est rien en comparaison de ce que tu auras un jour si ta pénitence ne rachète pas tes péchés. Approche ta main près de la mienne. Touche à ce clou qui la retient au bois. Trempe-la dans mon sang encore chaud. C'est un échantillon de mon amour pour toi. Vas-tu recommencer, ces touchés coupables? Vas-tu commettre encore des péchés pour ces membres qui m'ont cloué à la croix? Fais pénitence. Tu souffriras encore plus que moi si tu n'expies pas tes péchés. Eh bien, répondons à Jésus par des actes de contrition aussi sincères que possible. Par un ferme propos de ne plus jamais l'offenser et de faire pénitence pour nos péchés passés. Voilà ce qui peut mieux le consoler et adoucir ses tourments de la crucifixion. Mais il faut passer aux actes. Ces bonnes paroles ne valent pas grand-chose si elles restent là. Tout de suite, il faut commencer à vider son cœur de l'amour des créatures. Mettons de côté tout de suite une satisfaction qu'on a coutume de prendre. Un café, un dessert. Qu'on abandonne un plaisir habituel, qu'on prenait sans scrupule. Qu'on ajoute un acte de religion pour augmenter en amour divin, par exemple, un chemin de croix au lieu d'une partie quelconque. Une visite aux malades au lieu d'aller aux vues. Aller chercher un pécheur au lieu d'aller faire une veillée de païen dans un grand salon. Elle reste. En un mot, il faut crucifier nos deux amours naturels et en faire plus pour l'amour de Dieu. Se retirer des créatures et se rapprocher du Créateur. Voilà les plus belles consolations que nous pouvons donner à Jésus, saignant sur la croix pour l'amour de nous.
Après le dépouillement, Jésus est cloué à la croix pour nous montrer qu'après s'être vidé des deux amours naturels, il faut s'attacher à l'amour divin. Qui est Jésus sur la croix? Il faut que le cœur soit cloué à Jésus crucifié, comme il l'était aux créatures. Hein? Il faut que le cœur soit cloué à Jésus crucifié, comme le cœur l'était aux créatures. Au voyage, au parti, au fumage, elle reste, elle reste. Il faut que Jésus crucifié soit notre vie. Et donc, qu'il inspire tous nos actes, tous nos désirs, toutes nos pensées, qu'il soit le mobile de toute notre activité, lui faire plaisir. Il faut que le cœur colle à quelque chose. Il faut qu'il s'attache à un objet. Il est actuellement attaché aux créatures. Et qu'on fasse tout au monde pour le détacher de là et l'attacher à la croix avec Jésus. Et s'il faut souffrir, bien souffrons comme Jésus a souffert, étant attaché à la croix. Le point suivant, triomphe de ses ennemis. Pour que l'humiliation de Jésus soit réelle et parfaite, il faut que ses ennemis triomphent réellement sur lui. Ce n'est pas seulement une question de mots, mais de faits. Ils ont un succès parfait. Ils voulaient le crucifier, et ils l'ont fait crucifier. Il va mourir. Et cesser de les contredire, de les supplanter auprès du peuple. Sa vie et sa doctrine étaient un blâme pour leur vie et pour leur doctrine. Ce censeur important est enfin cloué à la croix. Ils ne l'auront plus dans leur chemin. Ses disciples ont fui. Et avec leur chef mort, c'en est fini d'eux autres aussi. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont qu'à disparaître pour cacher leur honte. En effet, Jésus meurt et son œuvre avec lui. C'est un fiasco absolu. Pendant 3 ans, il a eu une immense vogue. Il dominait les princes, les prêtres et les pharisiens et tout le peuple. Son règne promettait une grande gloire. Et voilà que tout est fini. Il meurt comme un vulgaire homme, méprisé de tout le monde et ne laissant rien après lui. Peut-on imaginer pareille destruction, pareil fiasco? C'est le grain de blé qui tombe en terre, qui doit pourrir et mourir avant de renaître. Les prêtres et les pharisiens ont donc raison de jubiler sur leur triomphe parfait sur Jésus. Il ne peut plus leur échapper. Ils vont mourir crucifiés comme ils l'ont voulu. Après avoir tiré sa robe au sort, les soldats s'assirent autour de la croix en s'amusant et en ridiculisant. À part un petit groupe d'amis, tout le monde est contre lui et l'insulte. L'évangéliste dit, et les passants le blasphémaient en branlant la tête et en disant, « Bah, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi! » Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. De même, les princes des prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens en disant, il a sauvé les autres, et il ne peut sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent maintenant de la croix, nous croirons en lui, et se confient en Dieu, qu'il le délivre maintenant s'il le veut, puisqu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. En Saint Matthieu, chapitre 27, et dire que Jésus aurait pu les pulvériser, les anéantir en un instant. Mais non, son amour pour nous est plus fort que la haine de ses ennemis. Il va rester sur la croix et y mourir pour nous donner la vie divine et éternelle. Quand le temps sera venu pour nous d'être bafoués par les autres et persécutés, Dieu disposera toutes choses pour que nous ayons un échantillon de ce fiasco de Jésus et du triomphe de ses ennemis. Il permettra que nous soyons si calomniés, même par ses prêtres qui croiront défendre les traditions de l'Église, comme les pharisiens croyaient défendre les traditions de leur nation, que les supérieurs nous condamneront à une espèce de mort en nous enlevant toute notre activité extérieure, nous baillonnant complètement
et les témoignages seront si concluants pour eux que nous ne pourrons rien faire pour nous disculper et il nous faudra mourir au monde et à ses œuvres. Ceux qui sont responsables de notre mort apparente triompheront, se réjouiront enfin d'avoir débarrassé l'Église d'un hérétique ou d'un pauvre fou, sincère, mais ignorant sa théologie, et victime de son zèle mal éclairé. Ah, nous savions qu'il finirait là. Il l'a bien mérité. Lui seul avait le Saint-Esprit. L'imbécile se croyait une mission de réformer le clergé et le monde. Il voit maintenant son erreur, qu'il étudie et prie pour son propre salut avant de vouloir travailler au salut des autres. Et les mois passent, et les années s'en vont, et le pauvre illusionné finit par être oublié, et son œuvre aussi. Il ne reste plus rien des deux, et nous pouvons suivre nos traditions ancestrales, fumer nos bons cigares, suivre les sports comme du monde du 20e siècle. Ce traitement est si divin qu'il ne contient pas d'amertume ni d'ennui. Quel bonheur de pouvoir dire à Jésus, « Je suis traité un tout petit peu comme vous, pour les mêmes raisons, et par les mêmes gens, les pharisiens modernes, nos philosophes de la théologie. Tout disparaît dans ce point de ressemblance avec notre bon maître. Dire qu'il nous permet de surveiller le monde pendant notre mort et de voir que les idées qui nous sont chères font leur chemin quand même, et même mieux que lorsque nous prêchions. Quelle bonté de Dieu nous donner du temps pour goûter la persécution pour son amour. Que ses loisirs sont précieux. On peut prier, méditer et contempler tant qu'on veut, approfondir davantage les Écritures et écrire les idées que le Saint-Esprit veut bien nous suggérer pour le monde, pour le salut du monde et pour la gloire de Dieu. Quelle consolation que de mourir d'une certaine façon avant la mort réelle. Et cela pour avoir voulu faire mieux connaître Jésus-Christ. Rien au monde ne vaut cette faveur. Le point suivant, les sentiments de Jésus. Les sentiments de Jésus au milieu de ses indicibles tourments devaient résumer tous les enseignements de sa doctrine et de sa vie. Mais les évangélistes n'en mentionnent aucun. Comme on l'a déjà dit, il faut aller dans les prophètes et dans les psaumes pour les trouver, ces sentiments de Jésus. Là, le Saint-Esprit a inspiré les sentiments de l'humanité en général et donc de l'humanité de Jésus en particulier. Comme nous sommes une partie de cette humanité, c'est là que nous devrions prendre nos sentiments dans toutes nos épreuves. Et il y en a de toutes sortes. Pour le mystère actuel du crucifixion, on trouve dans le psaume 21e, justement ce qui se passe dans l'âme de Jésus en croix. Il gémit, il se plaint, mais d'une façon amoureuse et abandonnée à Dieu son Père. Il lui dit ce qu'il souffre et ce qu'il attend de lui. « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Je gémis et le salut reste loin de moi. Mon Dieu, je crie pendant le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es saint. Tu habites parmi les hymnes d'Israël. » Quand nous souffrons, il est donc bon de tout dire à Dieu, de lui énumérer nos misères, de lui dire nos sentiments. Même si nous sommes découragés, abattus, qu'on le lui dise avec confiance en son extrême bonté. Si on le trouve dur, on le lui dit aussi, mais simplement pour qu'il ait pitié de nous sans aigreur. Puis il donne des arguments pour toucher le cœur de Dieu. Il lui parle de ses miséricordes passées envers ses pères, qui ont pourtant bien moins souffert que lui, et que Dieu a exaucé. Il se fait tendre et humble en parlant à son père, afin qu'il ait pitié de lui. C'est un beau modèle de sentiment amoureux dans les épreuves. Voici encore. En toi se sont confiés nos pères. Ils se sont confiés, tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, et ils ont été sauvés. Ils se sont confiés en toi, ils n'ont pas été confondus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, le rebut du peuple.
tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, ils branlent la tête, qu'ils s'abandonnent à Yahvé, qu'ils le sauvent, qu'ils le délivrent puisqu'ils l'aiment. Dieu sait tout cela. Mais Jésus veut nous apprendre comment traiter avec son Père. Il est très utile de rappeler à Dieu le souvenir de ce qu'il a déjà fait pour nous. Il s'est dit, en voilà un qui me donnera bien de la gloire. Si je fais quelque chose pour lui, puisqu'il garde le souvenir de ce que j'ai fait pour d'autres. N'ayons donc pas peur d'énumérer dans le détail nos peines et nos misères. Comme un enfant montre ses bobos à sa mère pour qu'elle les guérisse. Un autre texte encore. Autour de moi sont de nombreux taureaux, les forts de Bazan, les taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se sont disjoints. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force s'est desséchée comme un tesson d'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me couches dans la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une troupe de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me contemplent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Puis loin, Jésus promet que si son Père l'exauce, il chantera sa gloire partout et toujours. Il ne faut pas manquer cette idée. La gloire de Dieu est ce qui le fait marcher pour nous. Elle est capitale dans la vie d'un chrétien, la gloire de Dieu. On ne peut pas assez insister sur cette manière d'énumérer ses souffrances à Dieu dans le détail, car le cœur humain est pris par ces détails et le nôtre est fait à l'image du cœur de notre Seigneur. Ce qui nous touche, le touchera aussi. C'est cette familiarité qui développe la conscience et l'amour. On ne perd pas ses mérites non plus en gémissant sur notre triste sort et en pleurant, pourvu que ce soit dans les bras de Dieu comme un enfant dans les bras de sa mère. Saint Paul aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, dit « Aussi, durant les jours de sa chair, ayant offert à celui qui pouvait le sauver de la mort ses prières et ses supplications, avec de grands cris et des larmes, il a été exaucé à cause de son humble respect. » Voilà donc un peu ce qui se passait dans l'esprit et le cœur de Jésus pendant qu'il pendait à la croix. Il priait surtout et s'offrait pour le salut du monde. Eh bien, offrons aussi nos souffrances et nos misères pour nos péchés et pour ceux des autres. Cela console Jésus sur la croix et nous attire des grâces. Le point suivant, les sept paroles de Jésus en croix. On estime toujours beaucoup les dernières paroles d'un mourant. Combien plus celle de notre Sauveur. C'est le Saint-Esprit qui les a fait écrire pour notre instruction sûrement. Méditons-les donc avec amour et un grand désir d'en profiter. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Sa première parole est pour ses ennemis, pratiquant ainsi sa doctrine de l'amour des ennemis. Plusieurs étaient coupables de péché, sachant bien le mal qu'ils faisaient. Mais même ceux-là ignoraient le résultat de leurs actes, par exemple, que Jésus rachetait le monde en étant leur victime, à eux bourreaux. On a montré ailleurs que toute personne peut être un instrument aveugle dans les mains de Dieu, comme un scalpel dans les mains du chirurgien. Personne ne peut être plus innocent que Jésus, et personne plus méchant que les princes des prêtres. Et pourtant, Jésus demande leur pardon. Combien plus devons-nous le faire pour nos ennemis? Ne manquons pas de pratiquer ce que nous disons si souvent dans notre Père, pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celui qui condamne son frère se condamne donc lui-même. Parole suivante. Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. Après ces bourreaux, Jésus pense aux pécheurs. Au larron contrit, il promet le ciel ce jour-là même.
ce pécheur montre un grand esprit de foi dans un supplicié mourant. Il voit bien l'auteur de la vie. Dans un crucifié, il voit le roi céleste. Souvenez-vous de moi, dans votre royaume, dit-il à Jésus. Donc, il voit bien le roi céleste en Jésus. Isaïe, au chapitre 53, verset 12, avait prédit qu'il serait compté parmi les malfaiteurs. Il semble que les deux blasphémaient au début de leur crucifiement, mais ensuite que le bon larron fut touché par la patience de Jésus et par la grâce. Il fait un bel acte d'humilité en disant, « Nous souffrons justement, nous. » Mais lui, quel mal a-t-il fait? Les autres faveurs suivent cet acte d'humilité. Ceux qui se servent de ce cas pour exalter la miséricorde divine ne devraient pas manquer de signaler l'impénitence de l'autre pour exalter la justice divine. Personne ne doit donner se convertir de la dernière minute comme modèle de conversion tardive. Oh non! Ce n'est pas un retardataire. C'est la première fois qu'il voyait Jésus et il se convertit. D'ailleurs, si lui se convertit à la dernière minute, l'autre ne se convertit pas. Ne parlons non pas seulement du premier, mais aussi de l'autre qui meurt en blasphémant. Parole suivante. Femme, voilà votre fils, voilà votre mère. C'est ça, il s'est simplement trouvé un gîte pour sa mère. Jésus y aurait pourvu avant sa passion. C'est donc d'un intérêt général qu'il s'agit. Comme il nous a donné la doctrine du corps mystique qui nous fait tous frères, il veut nous donner aussi notre mère. Voilà pourquoi il emploie le nom générique de femme. La famille surnaturelle se trouve au complet. Nous avons notre Père céleste, et maintenant notre mère, selon la grâce, avec notre frère Jésus qui est divin. C'est la reproduction de la Sainte Famille de Nazareth. C'est dire à tout chrétien, considérez ma mère comme je l'ai considérée moi-même. Elle est aussi vraiment votre mère, comme Jésus est notre Père et que Dieu est notre Père. Ce dogme se tient dans l'ordre surnaturel. Parole suivante, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Après s'être occupé de ses bourreaux, des amis, de ses amis, enfin il s'occupe de lui-même. Il se plaint de ce que la divinité semble avoir abandonné son humanité, non pas physiquement, mais moralement. Jésus veut lui mériter la grâce de supporter cet abandon si pénible dans la vie spirituelle. Après avoir goûté les douceurs de l'union avec Dieu, combien de bonnes âmes sentent cet abandon comme si Dieu les quittait. Elles attribuent cette épreuve à leur péché, ce qui est vrai, et pensent que Dieu les quitte pour tout bon, ce qui n'est pas vrai. Dieu se cache pour nous sevrer des consolations sensibles. Combien prennent ces consolations pour Dieu même? Et la preuve est que lorsqu'elles perdent ces consolations, elles pensent avoir perdu Dieu même. Si c'était Dieu seul qu'elles aimaient, elles ne se plaindraient pas de ne pas le goûter. Or, Dieu veut être aimé pour lui-même, et non pas pour ses consolations. J'ai soif. Parole suivante. Il est certain qu'après avoir perdu tant de sang, que Jésus vraiment a soif d'eau. Mais il n'y a pas de doute aussi qu'il a soif au point de vue surnaturel, comme on le voit par les psaumes, dont il a l'esprit rempli, psaume 41. Comme le cerf altéré soupire après les sources d'eau vive, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et tout ce psaume exprime les sentiments intérieurs de Jésus et surtout celui d'abandon qu'il vient d'exprimer. Psaume 42. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi de l'homme de fraude et d'iniquité. Car tu es le Dieu de ma défense. Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi me faut-il marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Quand Jésus dit à la Samaritaine qu'il a soif, on sait qu'il aiguise cette soif sur la grâce.
Il te donnerait cette eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, avait-il dit. Voilà la soif dont Jésus souffre, oui. La parole suivante, « Tout est consommé. » Dans le sens que tout ce que les prophètes ont dit de lui est accompli selon sa propre interprétation dans Saint-Luc, chapitre 18, verset 21. Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit du Fils de l'homme. La veille, il disait, « Je vous ai glorifié, j'ai accompli l'œuvre que vous m'aviez donné à faire, de faire. » Combien pourront dire la même chose à l'heure de leur mort? « J'ai fait tout ce que Dieu m'avait ordonné de faire. » Parole suivante, « Je remets, Père, mon âme entre vos mains. » Il a donc gardé son âme uniquement pour Dieu, de qui il l'avait reçu. Il est sûr de son salut éternel. C'est qu'il a vécu uniquement pour Dieu en tant qu'homme, et la mort va éterniser sa vie temporelle, toute pour Dieu et en Dieu. Pendant 3 heures, les ténèbres couvrent la terre pour montrer que celui qui était venu pour éclairer le monde se meurt. Et que les Juifs ont refusé cette lumière. Elle s'éteint. Approchons-nous du petit groupe des amis de Jésus autour de sa Sainte Mère et regardons fixement notre divin Sauveur durant son agonie consciente. Essayons de sonder ses douleurs immenses pour mieux comprendre son amour intense pour nous tous, selon sa parole que personne ne peut aller plus loin. Aimer plus qu'en donnant sa vie pour ses amis. Disons-lui que nous allons l'aimer plus que jamais d'une façon concrète en nous débarrassant de nos deux amours naturels. Et le point suivant, sa mort. Après qu'il eut goûté le vinaigre et dit « Tout est consommé », il inclina la tête et rendit l'esprit. Au même moment, le voile du temple se déchira de haut en bas. Il y eut un tremblement de terre. Des morts ressuscitèrent et furent vus en plusieurs endroits. Les anciens sacrifices cessaient donc avec celui de Jésus. La messe devait remplacer les sacrifices d'animaux. Dieu voudrait bien déchirer le voile qui cache la foi aux Juifs. Mais là intervient la liberté de l'homme que Dieu ne veut pas violenter. Ce voile est l'attache à nos deux amours naturels. Comme c'était la veille de la Pâque, on ne pouvait pas laisser les cadavres sur la croix. Alors les Juifs demandèrent à Pilate de les achever pour les enterrer tout de suite. On brisa les jambes des deux larrons pour les tuer. Mais quand les soldats arrivèrent à Jésus, ils le trouvèrent mort. Alors un soldat perça le côté de Jésus de sa lance et ouvrit le cœur, d'où il sortit de l'eau et du sang. Ils accomplissaient ainsi 2 prophéties de Zacharie, chapitre 12, verset 19. « Ils tourneront les yeux vers moi qu'ils ont transpercés, et ils feront le deuil sur lui comme sur un fils unique. » Et Exode, chapitre 12, verset 46. « On ne mangera la Pâque que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. » Jésus nous a tout donné, sa doctrine, sa tête couronnée d'épines, son corps flagellé et crucifié. Son sang, sa vie, son honneur, sa gloire, pour montrer que tout cela avait été donné par amour pour nous, il ouvre son cœur, symbole de l'amour, comme pour dire, « Je vous ai aimé jusqu'à la limite du possible. » Et il nous ouvre un passage à son amour en nous invitant à y entrer. Même après sa mort, il nous donne encore de son sang, la dernière goutte. Tous les saints ont vu dans cette ouverture du cœur la porte d'entrée à son amour divin. Il se cache au fond d'une plaie pour signifier que c'est par la souffrance qu'on arrive à son amour. Comme Ève était sortie du côté ouvert d'Adam, ainsi l'Église sort du côté ouvert du nouvel Adam, Jésus. Les pères ont vu dans l'eau et le sang, un symbole des sacrements et de la messe. L'angoisse des amis de Jésus est extrême. N'allons pas l'amoindrir par la pensée de la résurrection. Jésus a eu beau leur dire qu'il ressusciterait, cela n'entrait pas du tout dans leur cœur, en Saint Jean, chapitre 20, verset 8, où il dit positivement, « Alors cet autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, qui entra, il vit et il crut, car il ne savait pas encore l'Écriture,
qu'il fallait qu'il ressuscitât des morts. Donc, mettons-nous à leur place. Pour Jésus, ils ont tout sacrifié et pendant 3 ans, ont vécu de sa vie, l'aimant beaucoup jusqu'à vouloir mourir pour lui. Et voilà que tout est fini, qu'il est mort comme n'importe quel mortel et donc que tout son travail est ruiné et sans aucune espérance. Ils sont obligés de retourner chez eux pour être la risée de tout le monde et leur propre vie gâchée. Le deuil de Marie est immense. Elle ne spécule pas sur les résultats possibles de cette mort. Elle est toute à sa douleur, la plus grande qui ait jamais existé après celle de Jésus. C'est là que s'accomplit la prophétie de Siméon qu'un glaive de douleur transpercera son cœur. Comme celui de Jésus a été transpercé physiquement, le sien l'est moralement ou mystiquement. Personne n'a sympathisé avec le sacré cœur de Jésus comme ce cœur transpercé de douleur, le cœur de Marie. Demandons-lui de nous obtenir tout ce qu'il faut pour mériter d'entrer dans ces deux cœurs si pleins de divin pour nous tous. Et en conclusion de cette instruction, et probablement aussi de toute la deuxième série, la mort mystique pour nous tous, pour tous. Puisque nous devons faire une seule chose avec Jésus pour arriver au ciel, et il nous faut donc limiter dans l'anéantissement de tout le naturel mental. Ou des deux affections naturelles, et pour les créatures, en dehors de nous, et pour soi-même. Nous avons toute la vie pour mourir à ces deux amours. Mais comme nous ne savons pas combien de temps nous est alloué par Dieu, nous devons nous y mettre tout de suite et efficacement. Dieu ne veut pas seulement d'une science de tête par laquelle nous savons qu'il faut le faire, ni des paroles que nous allons le faire. Mais il veut des faits, des preuves. Il faut donc attaquer sérieusement ces deux amours en retranchant ce qui les alimente. Il faut à tout prix cesser d'affectionner les plaisirs de la terre, même permis, et cesser de travailler pour ses propres intérêts, ou pour alimenter notre amour propre. Il faut tailler là-dedans à coup de sacrifice de tout ce qu'on estime et qui sert à notre propre gloire et à notre propre bonheur sur terre. Ce que Jésus déroule devant nous dans sa vie et surtout dans sa passion doit nous servir de modèle pour notre vie de chaque jour. Dieu nous laisse la vie uniquement pour que nous nous débarrassions notre cœur de ces deux amours en coupant les attaches qui nous les gardent dans le cœur. Voilà ce que saint Paul et les saints après lui appellent une mort continuelle au monde et à soi-même. Et il nous faut être crucifiés au monde et le monde crucifié pour nous. C'est donc une vie absolument contraire de celle que le monde mène et aime, qu'un chrétien doit amener. Je répète, c'est donc une vie absolument contraire à la vie que le monde mène et aime qu'un chrétien doit amener. Les premiers chrétiens abjuraient les plaisirs même permis afin de mieux mourir à ces deux amours. Ils n'allaient pas au cirque, ils ne fréquentaient pas les bains publics, ni les endroits d'amusement. C'est pour cela que les païens en tuaient. Voilà ce que nous devons faire aussi de nos jours. Fuir le plus possible tout ce qui alimente la vie d'essence et l'orgueil de la vie. Il faut que nous puissions dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ou encore, je suis crucifié au monde et le monde est crucifié pour moi. Il faut donc que tous les chrétiens cultivent cet amour du sacrifice tous les jours. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce lui-même tous les jours,
qu'il porte sa croix, qu'il me suive. La croix doit être la vie de ceux qui espèrent aller avec Jésus au ciel. Il n'y a pas d'autre chemin. Les prêtres devraient bien cesser d'attaquer seulement le péché et se mettre à attaquer l'affection, l'amour pour les choses créées, permises ou défendues, et l'affection pour soi-même. Voilà les deux amours naturels, bons en soi, mais que Dieu ne veut pas du tout en nous. Il veut que nous les semions pour récolter son amour à lui. Voilà ce que tous les prêtres du monde devraient garder dans l'esprit et dans le cœur pour en vivre eux-mêmes, puis ensuite le prêcher au monde le plus possible et de toutes les façons possibles. Prenons donc comme résolution à la fin de cette série sur la vie de Jésus, de mourir à nous-mêmes, en détruisant le plus possible avec la grâce de Dieu nos deux amours naturels, en retranchant les choses qui les alimentent, les permisent comme les autres, et surtout lutter contre l'amour de soi et de ses intérêts personnels et temporels pour mettre ceux de Jésus à la place. Que la Sainte Vierge vienne en aide de sa puissante intercession et que le Saint-Esprit nous donne des dons avec toutes les dispositions nécessaires pour les recevoir. La vision béatifique est au bout de tout cela. 23 mars 1945, Onésime la Couture. Et ceci termine cette deuxième série de retraites du Père la Couture sur la vie de Jésus. La première série traitait de l'amour de Dieu. La base de la vie chrétienne, le plan de Dieu pour la sanctification. Cette deuxième, la vie de Jésus. Et la troisième, sur l'activité du Saint-Esprit, viendra bientôt. Et à mon sens, elle progresse l'une sur l'autre. L'amour de Dieu, bien compris, dans la vie de Jésus, les exemples nous font avancer davantage. Et l'activité du Saint-Esprit, à mon avis, et la plus exigeante, la plus belle des trois. Grand bien nous fasse, ad maiorem Dei, gloriam.